Hello, hello les investisseurs blog, j'espère que vous avez la forme. Eh bien aujourd'hui on va mettre cette vidéo comme alerte parce qu'on va parler des top 5 des tokens Unlock à venir en mars 2023. Je vais vous annoncer ce qu'est des tokens Unlock et à chaque fois que je parlerai du token en question, je reviendrai eh bien évidemment sur le prix des tokens en eux-mêmes et puis avec une brève analyse de du graphique également. Alors on peut voir que de nombreux tokens Unlock sont prévus au cours du mois de mars 2023. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à activer la petite cloche de notification afin de recevoir chaque jour l'actualité brûlante. N'hésite pas également à rejoindre le canal Telegram qui est dans la description, donc le canal Telegram public, pour être informé également des vidéos et de quelques actualités brûlantes du moment. Et bienvenue à toi si tu es débutant et ou non investi dans les crypto-monnaies dans le but de te permettre de savoir quoi acheter, quand vendre, trouver les meilleurs projets sans avoir peur de perdre de l'argent. Donc voici le top 5 des tokens Unlock à surveiller en mars 2023. Eh bien, comme l'indique l'article, nous l'avions déjà évoqué dans un précédent article, certains projets n'ont pas encore déverrouillé la totalité des tokens en circulation. Je m'explique. Je prends le cas, eh bien, ici de Solana, par exemple, s'il veut bien me le sortir. Hop, oui. Voilà. Donc je prends le cas de Solana et Solana, tu peux regarder ici. Hop, voilà, on va aller en bas. Voilà. Donc tu as ici l'offre totale de 5 millions à peu près et tu as qu'une offre en circulation de 300 de pardon, une offre totale de 539 millions, c'est la fin de journée, vous m'excuserez. Et donc une offre en circulation de 378 millions, ça veut dire qu'en gros, il reste 200 millions à émettre et potentiellement à émettre et à débloquer, ce qui fait potentiellement chuter le cours lorsque ces tokens sont émis, ce qu'on appelle des tokens unlock, la différence entre l'offre en circulation et l'offre totale. OK? Voilà ce qu'on appelle token unlock. Maintenant, en effet, au lancement d'une crypto-monnaie, il est habituel de verrouiller une partie des tokens et de libérer donc au fil des mois, c'est ce qu'on appelle les tokens unlock. C'est un mécanisme qui peut éventuellement, et ce n'est pas une généralité, induire une pression baissière sur le cours de la crypto-monnaie. En effet, les investisseurs ont tendance à prendre des profits lors de ces événements et il est donc important de les surveiller. Environ 700 millions de dollars de tokens vont être ajoutés à la circulation durant ce mois de mars. Et dans ce sens, nous vous proposons d'observer ensemble les 5 plus gros tokens Unlock à venir en mars 2023. Ok, bon, on a plusieurs facteurs. J'aimerais faire une petite parenthèse ici. On a les tokens Unlock qui potentiellement peuvent faire chuter le cours des crypto-monnaies. On a cette histoire de BUSD avec Binance, la SEC qui a carrément maintenant dans le viseur Binance. Ils sont comme des fous sur eux. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que potentiellement la capitalisation elle peut chuter drastiquement et donc entraîner une panique et donc entraîner également la chute des crypto-monnaies et une perte de confiance des investisseurs. Ça fait bien longtemps que j'en parle et de toute manière, sans même se pencher là-dessus, tous les signaux étaient au rouge et va voir mes précédentes vidéos. Ça fait maintenant un petit moment que j'ai lancé l'alerte. Maintenant, donc on a plusieurs eh bien, tokens. On va prendre le cas d'APE. Hop, j'espère que pour le coup, ça vous fait pas trop mal aux yeux hein, que je change tout le temps d'écran comme ça. Je sais que ça peut paraître pas très agréable de jongler l'un à l'autre, mais bon, j'ai trouvé que cette solution pour l'instant. Donc, du coup, ici, APE, on a voilà, offre totale 1 milliard, donc 1 million milliard, et offre en circulation 368 593 750. Donc potentiellement, on va arrondir à 400 000, il reste 600 millions de tokens à émettre. Donc imaginez, eh bien, ça va complètement faire dévisser le prix, puisque évidemment, le prix va être divisé eh bien, par les nouveaux tokens en circulation. Vous vous doutez bien que la cape, évidemment, va être que le prix, pardon, va être complètement éclaté. Donc on a APE, donc gros danger. On a également AVAX. Donc AVAX qui lui également nous indique donc Avalanche ici nous indique hop, je vais pas tous vous les faire hein, vous avez compris le principe nous indique une offre totale à 420 millions ici pour 324 millions donc potentiellement il reste grosso modo 100 millions
de tokens à émettre. Voilà, bon, tu l'as compris, tu as compris un peu le principe. Voilà, donc bien entendu, ça peut tout simplement suggérer bah, que ça va être les soldes hein, sur ces crypto-monnaies. Je vais les surveiller vraiment de très près pour les partager dans le canal Telegram, donc qui est pour le coup privé, donc des signaux hein, que je partage dans ce canal, des alertes baissières, etc. Là, pour le coup, voilà, on va surveiller ça très près parce que ça peut être une importante opportunité d'achat. Voilà, donc Uniswap, Aptos, BitDAO, Avalanche, ApeCoin, voilà, donc on a à peu près justement toutes les crypto-monnaies en question et c'est pas de la petite, franchement, c'est pas de la petite capitalisation non plus, parce qu'en market cap, là, on est quand même sur des market cap qui sont relativement importantes. Tout comme celle d'APE, voilà, c'est pas non plus négligeable de voir une position 36e avec une cap à plus d'un milliard, pratiquement 2 milliards. Donc attention et soyez vigilants à cela. Donc c'était le top 5 des tokens Unlock. Mets-moi en commentaire si toi tu vas te gaver faire les soldes. Mais en tout cas, soyez vigilants et pour savoir acheter, quand vendre, je vous présume, je vous suggère, si vous le souhaitez, de rejoindre le canal Telegram, cette fois privé, qui vous permettra justement d'avoir tous les signaux. Allez, à très bientôt. Ciao.